Voilà, alors, je ralentis la vitesse, hein, par Histoire qu'on voit, quoi. contre. Ouais. J'entends le capturer en vidéo en même temps. Petit colosse. C'est quel système? C'est le blanc, là, Yump. Il en est qu'à 3% de chargement d'armes. Je mettrai en pause. Ouais, bah ça allait me sauter, ça me laisse le temps de chercher. Youmpa, alors c'est où C'est un truc Youmpa? blanc Ah, attends, je peux tout à chercher, c'est droite. vrai. Peut-être qu'on peut chercher. Ok, Y ça comment Youmpa? Y U M P. Ok, cette recherche. En plus, il y a du. Il y a eu du réfugié là-dedans. Un coq T'as trouvé? ah, t'as achevé ta sphère de Dyson. Ouais. Ouais, j'ai trouvé. Alors, du coup, petite sphère de Dyson. Ouais, 1000 de prod. 1000 d'énergie, pardon. Ralenti 93. On va charger quand même, hein, c'est bon. Bah, heureusement, après, bon. Après, il a 33 000 points de coque, c'est-à-dire qu'il peut tenir un long moment, même sous attaque, quoi. Mise à feu de l'arme, d'accord, ça. Ouais, c'est long, hein. Du coup, effectivement, c'est. Faut pas te presser. Non, mais moi, la question, c'est est-ce qu'après, du coup, ça te fait un gisement de ressources ou pas? J'accélère un poil. Prends 18. Ah putain, ouais, ça donne qu'il y a gisement de 12, ouais. Pas forcément super rentable. Allez, suivant. Si tu peux faire oui. Je prends des screens. Diplomatic alert. War protocols initiated. Je réaccélère. Et bah oui, c'est ça, t'es un rebelle.
Non, moi je dis que c'est ça d'être un rebelle et de vouloir se rebeller. Ça se fait détruire ces planètes comme des caca. Les animations sont sympas, hein. Dommage que je trouve que ça aurait été sympa que par exemple tu vois la lumière dans le truc à l'intérieur augmente petit à petit en fonction de la charge, ce genre de choses quoi. En fait, si l'intérêt c'est que ça te permet de passer du coup les grandes flottes, enfin les planètes ultra défendues où t'as générateur de boucliers, Fortin et compagnie quoi. Là tu fais fuck you. Mais dommage, je pensais que c'était réellement un tir et la planète était détruite style étoile noire, que c'était pas un rayon continu. Ben, c'est pas plus mal. Ce qui est juste dommage, c'est que il n'y ait pas de variation de la tranche de la planète Dans le temps. au fur et à mesure que le faisceau est actif, quoi. Ouais, Tu sais. ou petit à petit il y a des cases qui se détruisent sur le monde, ça aurait pu être. Après, les explosions, elles sont jolies, hein. Ah, par contre, là, il n'y a plus que 4. Ressources. En ressources. En même temps, génial, c'est que ça met citoyen courageux. Tu cliques sur le truc, là, le citoyen courageux, ouais, voilà. Comment dire. C'était le petit bonus de fin de partie.